Quelle est l'importance de ce projet pour toi ? Ce projet est fondamental pour moi. Il est fondamental d'abord parce que j'ai deux enfants, deux filles, et que je les envoie dans un monde qui ne va pas être le même. En tout cas, aujourd'hui, on vit dans des pays développés. Notre niveau de vie est largement au-dessus de 80 à 90% de la population sur Terre. On n'a pas à souffrir des mêmes cataclysmes, des mêmes catastrophes et surtout de la même injustice sociale qui prévaut de par le monde. Je pense que je vais mourir, en tout cas je le souhaite, heureux, paisible. Je ne suis pas certain que cette sérénité sera partagée par mes filles et je suis convaincu que si elles ont des enfants, ça sera très difficile pour leurs enfants. Donc c'est pour ça que ce projet est important. Il faut à tout prix que, après avoir malheureusement aidé des entreprises à polluer, parce que c'était mon boulot de faire du marketing, de faire du business, de bosser dans la com, de bosser dans la transformation des organisations, ou dans le conseil, ou dans le digital, j'ai malheureusement, pendant très longtemps, sans m'en apercevoir, contribué aux problèmes auxquels on fait face aujourd'hui. Et puis, il y a un moment où ma dissonance cognitive est devenue beaucoup trop importante. Je ne pouvais plus aller au travail sans penser en permanence au fait que mes valeurs, mes principes, suite à l'enseignement que j'ai acquis, aux connaissances que j'ai acquises par rapport à l'écologie, à l'environnement, à la pollution, je ne pouvais plus aller au travail sans me poser de questions fondamentales. Qu'est-ce que je fais là ? Donc il fallait, je ne pouvais pas quitter mon boulot, hein, parce que crédit, l'école, la bouffe, enfin bref, hein, vous le connaissez, hein, c'est la vie. Je ne pouvais pas trouver un autre travail, parce que quand on travaille 12, 13, 14, 15 heures par jour, c'est très compliqué de passer du temps à chercher un nouveau boulot. Donc je me suis dit, le peu de temps que j'ai, mes soirées, mes week-ends, mes vacances, je vais les consacrer à un projet qui a du sens, à un projet qui va me permettre de contribuer, même de façon très modeste, de contribuer à cette prise de conscience et à essayer de convaincre le plus grand nombre qu'il faut faire quelque chose et encourager à l'action. Et dans ce sens-là, ce projet sur lequel j'ai travaillé 3 ans jusqu'à ce qu'on puisse enregistrer, il m'a aidé à gérer ma dissonance cognitive, il m'a aidé à quitter mon travail, à démissionner pour consacrer le reste du temps que je pourrais travailler à m'investir dans une cause qui a du sens. L'écologie, la protection de l'environnement, les énergies renouvelables, la biodiversité. Donc dans ce sens-là, c'est un projet qui est absolument critique dans ma vie.